Salut, c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. J'ai oublié de te filer les explications concernant ma dernière vidéo. Alors la dernière vidéo, celle que j'ai fait juste avant celle-ci, c'était concernant la valse d'Amélie, qui est un morceau que tu peux retrouver dans le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, composé par Yann Tiersen. Si tu n'avais pas vu cette vidéo, tu peux la retrouver ici en cliquant sur le petit i comme info. Et la partition, tu la trouveras dans la description de cette vidéo, hein, comme bien souvent maintenant, tu as un peu l'habitude. Alors ce que j'ai fait dans la dernière vidéo en fait, mais je tenais à le faire comme ça, c'est-à-dire je voulais juste proposer le morceau, la version que j'avais faite, c'est-à-dire le morceau, si tu veux, je l'ai relevé, d'abord la grille d'accords, puis ensuite le thème, et ensuite j'ai mélangé tout ça pour pouvoir le proposer à une guitare. Donc je vais te montrer en fait, ce que je vais faire là, c'est je vais te montrer tout le process, on y va, go. Alors la première chose à faire, c'est déjà donc de relever la grille d'accords. La grille d'accords était assez simple. Si toutefois tu l'entends pas très bien, commence par relever la basse, qui va souvent être la fondamentale, la note de départ. Et puis ensuite, il faudra trouver le reste de l'accord. Mais commence par trouver la fondamentale, sera déjà une bonne piste. Donc les accords sont assez simples, ils sont juste au nombre de 4. Tu as deux parties qui tournent, A et B, on va dire. Donc le A, deux accords, le B, deux accords. Et c'est tout le temps ces parties-là qui tournent. D'un autre côté, ensuite, j'ai déchiffré le thème. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune note altérée. On est donc en Do majeur. Et ensuite, j'ai essayé de trouver une façon de mélanger tout ça, c'est-à-dire de conserver l'harmonie, les accords, en exposant le thème, histoire qu'il y ait une saveur, une texture suffisante si je suis tout seul à proposer le morceau, par exemple. Ah ouais, alors direct, ce que je préfère faire dans ces cas-là, c'est, là je vois que le morceau est assez simple, j'ai même pas essayé de chercher une piste sur internet, une partition ou quoi que ce soit, je sais très bien que je vais tomber sur des partitions à moitié fausses, je vais perdre du temps, donc ce que je t'encourage aussi à faire le plus possible, c'est d'essayer de déchiffrer de la musique d'oreille. Sur des morceaux simples harmoniquement, pas de méprise. Les arrangements de ce morceau, le rendu, etc., je trouve que ça fracasse, c'est vraiment un morceau qui me déglingue, je le trouve vraiment magnifique. Quand je dis simple, c'est pas du tout connoté. Il se trouve que les quatre accords du morceau sont Ré mineur, La mineur, Fa et Do. On est dans un contexte harmoniquement simple. Si toutefois je dois jouer la rythmique de ce morceau, je jouerais plutôt les accords en barré pour respecter le côté piqué. Parce que sinon, alors on peut tous les trouver en haut du manche. Mais en raison des cordes à vide, peut-être qu'on ne maîtrisera pas parfaitement le rendu sonore. Donc je préfère tous les prendre en barré quasiment. Alors oui, maintenant dans les vidéos, quand je m'exprime, je peux utiliser un vocabulaire un peu plus musical, un peu plus pro, entre guillemets. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais écrit aussi le petit précis de guitare à déguster, ce qui me permet de pouvoir maintenant m'exprimer normalement. Et si tu me comprends pas toujours sur certains trucs, voilà, tu peux trouver en fait toutes ces notions, j'ai toutes synthétisées là-dedans. Donc ça, si tu sais pas ce que c'est mon premier bouquin, Le Petit Précis de Guitare à Déguster. Tu trouveras toutes les infos ici, hein, sur le petit i comme info. Donc voilà, une fois les accords déchiffrés et le thème déchiffré également, l'idée c'est d'essayer de synthétiser tout ça en une seule partie et de le proposer à la guitare. Donc c'est en fouillant et en cherchant que je suis arrivé à te proposer ce que tu as vu dans la dernière vidéo. Thank you.
Quand je fais ça, les partitions, en fait, je les écris vraiment de façon squelettique, que ce soit clair, qu'on ait vraiment les notes les plus importantes. Après, quand je joue le morceau dans la vidéo, parfois j'interprète un peu, voilà, je m'amuse aussi à faire des trucs, c'est-à-dire d'autant plus que je suis tout seul là à le jouer, donc je peux m'amuser, je sais que c'est un trois temps, hein, le morceau est une valse, mais je peux m'amuser comme ça un petit peu avec le tempo, ou bien certaines notes, dans les intentions aussi, je mets certaines notes en relief, d'autres un petit peu moins, je calme, voilà, enfin tout ça met du relief dans le morceau, et en fait, ça c'est de l'interprétation, les petits liés rapides, les choses comme ça, je les écris pas dans la partition parce que ce n'est pas, je pense pas que c'est ce qui fasse l'essence du morceau, et puis surtout ça polluerait vraiment vraiment la partition. Donc j'espère que cette vidéo, celle-ci et la précédente t'auront plu. Si c'est le cas, tu peux me lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life. Je suis en train de te préparer un truc. Voilà, c'est ce qu'on me demande depuis un moment. Et puis, alors je ne sais pas si tu en fais partie, mais voilà, ça concerne la guitare flamenca. Et puis, il va y avoir un voyage, il va y avoir une formation, il va y avoir plein de trucs à venir. Je vais nous amener sur la voie petit à petit. Quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao !